Alors, c'est parti, toujours chaud pour cette énigme numéro 4. Oh, mon pacalou, c'est encore plus chaude bouillante qu'hier. Ah, mais c'est bien. C'est encore plus parti qu'hier. Alors, c'est parti, on t'écoute. Ah, mon pacalou, j'y vais. Alors, je note P, l'indice de Paul. On a vu que dans les formules, il n'y aura que du P, là, que du Paul, dans le libellé. Donc, j'écris la première partie. La division de l'index de Paul moins 1 par l'index de Paul moins 3, ça t'écrit P moins 1 que divise P moins 3. Oui, c'est très bien ça. La division de l'index de Paul moins 2 que divise l'index de Paul moins 4, ça t'écrit P moins 2 sur P moins 4. Très bien, c'est parti. Et si la première division est inférieure ou égale à la deuxième division, alors Paul gagne. Donc je rajoute le signe inférieur ou égal entre les deux là. Ben, c'est excellent, c'est parti, très bien. Ça te donne donc une inéquation. P moins 1 sur P moins 3 doit être inférieur ou égal à P moins 2 sur P moins 4. Alors là, il va falloir être très précautionneux pour résoudre le problème. Alors voilà ce que je te propose, mon pacalou. À gauche, je multiplie par P moins 4 que divise P moins 4. Parce que comme ça, ça fait 1. Ça ne change rien. Et puis à droite, je multiplie par P moins 3 que divise P moins 3. Parce que ça fait 1 aussi et ça ne change rien. Oui, très bien. Mais alors pourquoi ces chiffres? Eh bien, comme ça, en bas, j'aurai le même P moins 3 fois P moins 4. Ah oui, c'est très très bien vu, ça, c'est parti. Vas-y. Donc maintenant, j'ai en haut P moins 1 que multiplie P moins 4 que divise P moins 3 fois P moins 4, à gauche. Et à droite, en haut, j'ai P moins 2 que multiplie P moins 3 que divise P moins 4 que divise P moins 3, mais c'est pareil que P moins 3 que divise P moins 4. Très bien. Donc en haut, je vais développer, donc j'ai p fois p, ça fait p au carré, là j'ai moins 1p, là j'ai moins 4p, donc moins 1, moins 4, ça fait moins 5p, et puis j'ai moins 1 que multiplie moins 4, il y a 2 moins, ça fait un plus 4, très bien Smarty. Et à droite, eh bien je développe aussi, p fois p, ça fait p au carré, moins 2 fois p, plus moins 3 fois p, ça fait du moins 2, moins 3, moins 5p, et puis j'ai moins 2 fois moins 3, moins moins, ça fait plus, plus 6 pour Pacalou, excellent. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh bien, tout le terme, là, p au carré moins 5p plus 6, que divise p moins 4 sur p moins 3, je l'amène à gauche en changeant le signe. C'est comme s'ils ajoutaient la même valeur, moins p au carré moins 5p plus 6 sur p moins 4, que multiplie p moins 3. Très bien, c'est parti, c'est excellent. Donc maintenant, comme j'ai le même dénominateur, je peux ajouter les numérateurs. C'est donc p au carré moins 5p plus 4, moins p au carré moins 5p plus 6. Et le moins, je vais le distribuer. Le moins p au carré, ça va me donner ben, moins p au carré. Le moins moins 5p, moins moins, ça fait plus 5p. Et le moins fois plus 6, ça donne moins 6, mon pacalou. Très, très bien. Alors maintenant, on voit que le p au carré, moins p au carré, ça disparaît. Parce que ça fait p moins p. Hein, p au carré, moins p au carré. Et puis là, c'est moins 5p plus 5p, ça disparaît aussi. Donc, il me reste que le 4 moins 6, c'est-à-dire moins 2, que divise p moins 3 fois p moins 4. Tout ça, ça doit toujours être inférieur ou égal à 0, mon pacalou. Excellent. Et comment tu t'en sors maintenant? Ben, je multiplie par moins 1 des deux côtés. Attention, comme moins 1 est un nombre négatif, je change le signe. Au lieu d'être inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. Alors ça, bravo, Smarty. Tu as été très précautionneuse. Excellent. Je te laisse continuer. Ben, moins 2 fois moins 1, hein, tu as fait moins 2 fois moins 1, il y a 2 signes moins, tu as fait plus 2. Et puis à droite, c'est 0 fois quelque chose. Donc, ça fait toujours 0. Alors maintenant, je multiplie en haut et en bas par P moins 3, P moins 4. Comme ça, c'est comme si je multipliais par 1. Ça ne change rien. Oui, très bien, ça, Smarty. Bien vu encore. Je ne sais pas où tu vas, mais c'est bien. Ben, du coup, en haut, c'est 2 fois P moins 3 fois P moins 4. Et en bas, regarde, là, c'est P moins 3 et là, c'est P moins 3. Donc, ça me fait P moins 3 au carré. Puis là, c'est P moins 4 fois P moins 4, P moins 4 au carré. Et ça, ça doit être supérieur ou égal à 0. Oui, très bien. Et alors? Eh bien alors, si je multiplie maintenant par P moins 3 au carré fois P moins 4 au carré des deux côtés. P moins 3 au carré, c'est toujours positif. P moins 4 au carré, c'est toujours positif. Donc quand je multiplie des deux côtés par un nombre positif, je garde la même inégalité. Oui, très bien. Et maintenant, je vois que des P moins 3 au carré en haut et P moins 3 au carré en bas, ça peut supprimer. P moins 4 en haut et P moins 4 au carré en bas, je supprime. Il me reste donc P moins 3 fois P moins 4 à gauche. Et à droite, c'est 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Ça, ça ne change strictement rien, hein, mon pacalou. Oui, mais c'est très, très bien vu, ça. Et donc, j'ai juste l'inéquation P moins 3 que multiplie P moins 4 supérieur ou égal à 0. C'est ça qu'il faut qu'on résolve. Oui, c'est exactement ça, mon pacalou. Alors, je vais faire ton tableau des signes. Voilà, je fais P entre moins 3 et
moins l'infini plus l'infini. Bon, P-3, c'est 0 pour 3. Et P-4, c'est 0 pour 4. C'est facile. Donc, je mets directement les colonnes 3 et 4 où il y a des 0 partout. Par contre, P-3 est plus grand que 0 ben, quand P est plus grand que 3. Donc, je mets plus ici et moins là. Et pour P-4, c'est quand c'est plus grand que 4. Donc, je mets un plus ici et moins là. Donc, maintenant, je peux calculer P-3 fois P-4. Un moins et un moins, ça fait un plus. Là, c'est 0. Plus fois moins, ça fait moins. Là, c'est 0. Et plus fois plus, ça fait plus. Donc, Paul va gagner si son index est inférieur strictement à 3. Ah non, on voulait supérieur ou égal. Donc, est inférieur à 3 ou supérieur ou égal à 4. Ah bien voilà, c'est parti. C'est juste parfait. Tu es experte et super précise en la matière. Merci, mon Pacalou. Allez, à demain pour la réponse à la cinquième devinette. Oui, j'ai hâte.